Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Blad de Hassan Atlemsan. Algérie, 20 ans de prison, c'est toujours le même verre qui est servi aux ex-ministres et ex-généraux de l'armée. Un ex-ministre de l'énergie condamné à 20 ans de prison. L'ex-ministre de l'énergie Shakib Khelil, en poste pendant 10 ans sous la présidence d'Abdelaziz Bouteflika, a de nouveau été condamné jeudi par contumace à 20 ans de prison ferme pour corruption, selon l'agence officielle APS algérienne. Le tribunal de Sidi Mohamed à Alger a également condamné d'autres anciens hauts responsables à des peines allant de 5 à 10 ans de prison ferme. Il s'agit de l'ancien ministre des Travaux publics, Amar Gloul, de l'ancien ministre des Affaires étrangères, Mohamed Bjaoui, et de deux anciens patrons du géant public des hydrocarbures Sonatrach, Nourdine Boutrafa et Abdelmoumen Weldqaddour. Ils étaient poursuivis pour dilapidation de deniers publics lors de la conclusion de marchés avec des entreprises étrangères. Le tribunal a également confirmé le mandat d'arrêt international émis à l'encontre du ministre, l'ex-ministre Khelil. En 2013, la justice algérienne avait émis un mandat d'arrêt international contre Khelil dans le cadre d'une enquête sur le versement de commissions occultes par une filiale du géant italien Eni pour l'obtention de contrats en Algérie, scandale qui a fait l'objet de plusieurs procès en Italie et en Algérie. Réfugié aux États-Unis, il était entré en 2016 en Algérie après l'abandon des poursuites contre lui avant de repartir à l'étranger lorsque la procédure avait été relancée par la chute de Bouteflika le 2 avril 2019, sous la pression du mouvement de protestation Hirak et de l'armée.